rencontre ô combien importante dans l'optique du maintien entre Nancy 16e et Ajaccio 17e. Les deux formations ont exactement le même nombre de points, ne possédant que deux longueurs d'avance sur le barragiste. C'est dire si ce match s'annonce brûlant et déterminant pour l'avenir de ces deux équipes en Dominos Ligue 2. Nancy reçoit de nouveau à Picot après s'être imposé dans la semaine face à Orléans 1-0 grâce à un but de Marquetier à la 89e. Et peut-être est-ce l'enjeu, mais en première période, il n'y a absolument rien à signaler. 0-0 entre les deux adversaires qui s'observent et qui ont du mal à se procurer des occasions. Par la suite, les hommes d'Alain Perrin vont être un petit peu plus dangereux. Il va y avoir du travail pour Benjamin Leroy. La fin de saison dernière, la CA avait participé au barrage de l'accessite à la Ligue 1 Conforama face à Toulouse. Ils sont en train de lutter pour ne pas avoir à disputer les barrages, pour ne pas descendre en national. On pense à l'ouverture du score des Nancéens en fin de rencontre, mais une main est sanctionnée à juste titre pour Santi Ngom. 0-0 toujours, mais à la 83e minute, celui-ci est magnifique et sera évidemment validé. Le coup de canon de Laurent Abergel, premier but de la saison pour le capitaine nancéen. C'est le 10e but à l'extérieur de la surface de réparation pour la SNL. Ballon subtilement glissé en retrait par bas pour son capitaine. 1-0, deuxième succès de suite sur ce score pour Nancy qui se donne de l'air et plonge Ajaccio dans la zone rouge en position de barragiste avec ce 9e match sans victoire.